Comment vous expliquez cette première heure bizarroïde dans le jeu, dans l'intensité, dans l'application? Intensité, pas... Non, non, on n'a pas pris le match par le bon bout, même si on a eu énormément le ballon, mais oui, on manquait de mouvement, de vitesse. Donc, à partir de là, face à une équipe qui est bien organisée en densité, après, elle a profité de ses points forts, c'est-à-dire les coups de pied arrêtés, puis les sorties rapides. Donc, évidemment qu'on est capable de mieux faire, ça c'est clair. Même si sur la fin, la réaction était là, on les a acculés pour revenir au score et finir avec ce match nul. Je sais, vous allez vouloir tirer des conclusions. Voilà, même si ça peut arriver, ça nous est arrivé, oui, évidemment, dans les intentions. À partir du moment où on a mis peu de rythme, peu de vitesse, peu de verticalité dans notre jeu aussi, certes on avait le ballon, mais sans être vraiment dangereux. Donc c'est ça qui nous a manqué pendant un bon moment. Il y a une déception autour de Thauvin et Dembélé qui avaient peut-être des points à marquer. Est-ce que vous êtes déçu de... Pas jugé individuellement, mais il rentre dans un contexte collectif aussi. C'est arrivé à d'autres moments. Voilà, Florian, c'est sa première titularisation aussi, même si ça fait un moment avec nous. Il tombe sur un match où l'équipe n'est pas très bien aussi collectivement. Donc voilà, Ousmane a fait des choses intéressantes, d'autres moins, en perte de balles. Il aurait pu être plus décisif aussi sur certaines actions. Oui, ils n'étaient pas dans les meilleures conditions non plus par rapport à l'attitude collective, mais ça passe par là pour eux et puis pour d'autres joueurs aussi. Ça va pas être toujours les mêmes 11 qui vont jouer. C'est logique. Si je le fais pas là, je sais pas quand je le ferai. Donc ça passe. L'évolution individuelle passera aussi par du temps de jeu pour la plupart des joueurs. Un mot sur le public également, finalement, qui s'est mis au diapason du match. Ah ça a eu bon? du mal à démarrer. Je ne sais pas comment vous l'avez senti au début, mais ça a eu du mal à démarrer Ouais, également par rapport à l'entraînement d'hier, notamment, oui. c'était un vrai décalage. Ah, il y avait beaucoup de jeunes hier, peut-être moins ce soir, parce que demain il y a école. Bon, on n'a pas, je ne vais pas taxer le public d'avoir ronronné. Je pense qu'on n'a pas fait grand-chose aussi pour les. Parce que dans le dernier quart d'heure, quand on a mis beaucoup plus d'intensité, de vie, le public réagit aussi par rapport à ce qui se passe, pardon. Disons qu'on avait une ambiance plutôt cosy, mais je préfère avoir l'ambiance de fin de match et ce qu'on faisait sur le terrain aussi qui correspond à l'expression qu'il y a pu avoir dans le public.